have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're gonna meet, who you're gonna meet, who you're gonna meet. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous emmène avec moi dans un reading vlog. Une vidéo que je voulais faire depuis des mois et en plus, j'avais le livre en tête. C'était bien précis et je voulais absolument faire une vidéo, donc me voilà maintenant. Je vous emmène tout au long, alors je sais pas si ça va être la semaine, que quelques jours, mais en tout cas tout au long de ma lecture d'un livre en particulier. Et ce livre, c'est Ugly Love de Colleen Hoover. Colleen Hoover qui est une auteure que j'adore. J'ai déjà lu Maybe Someday, je crois. J'espère que j'ai pas de conneries. J'ai lu November 9 qui a été un énorme coup de cœur. Et j'ai lu aussi Never Never. C'est aussi très bien. J'adore l'écriture de Colleen Hoover. J'adore ses concepts super forts, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo. Je savais que Ugly Love allait me plaire. Je le vois passer de partout. Sur Instagram, sur YouTube, toutes les personnes que je suis qui parlent de livres, de romans, disent que ça a été un énorme coup de cœur. Donc j'avais très hâte d'en faire une vidéo. Si je me suis pas trop plantée au montage, vous avez déjà dû voir une de mes sessions de lecture qui était hier soir. J'ai déjà lu 80 pages hier soir, au moins je me suis dit qu'aujourd'hui je pouvais vous parler un petit peu du résumé. Sachant que cette vidéo n'est en aucun cas des spoils, je ne vais rien spoiler, je vous donne juste le résumé pour vous donner un peu les bases de l'histoire et vous donner envie. Je vous montre juste mes réactions à chaud, mes impressions, ce que j'en pense des personnages, ce que j'en pense de la trame, s'il y a des énormes plot twists ou pas. Donc pour vous parler un petit peu du livre, donc dans cette histoire on suit Tate et Miles et quand elle arrive devant la porte de chez son frère, elle sait déjà qu'il n'est pas à l'intérieur, qu'il est au travail, mais surtout elle rencontre un homme qui est allongé devant la porte de son frère, qui est ivre mort et qui bloque complètement le passage pour rentrer chez son frère. Et quand elle appelle son frère pour lui demander de l'aide, il lui répond qu'elle aide l'homme en question ivre mort, puisqu'en fait c'est le voisin du frère de Tate. Il n'y a pas beaucoup de personnages, mais j'espère que vous comprenez. Elle doit aider le voisin de son frère jusqu'à ce qu'il décuve et après il rentrera chez lui. Il n'est pas violent mais il fait quand même peur et il est surtout pas dans son état normal. Mais quand Tate le pose sur le canapé pour qu'il dorme, tout d'un coup il se réveille un peu paniqué en pensant que Tate est une certaine Rachel. Il n'arrête pas de hurler son nom et surtout de s'excuser auprès de Rachel alors que Tate est juste là pour l'aider parce que son frère lui a demandé. On n'a aucune idée de qui est Rachel. Et là, je tourne le chapitre et je découvre qu'il y a des chapitres flashback. Et donc, on se retrouve 6 ans auparavant du côté du point de vue de Miles, qui est en fait le voisin ivre. Il est avec une fille qui s'appelle Rachel. Et donc, dans ces chapitres flashback, on découvre sa relation avec Rachel et comment elle va évaluer. Et comment elle va évoluer. Donc voilà, en parallèle de découvrir qu'est-ce qui s'est passé avec Rachel depuis leur début, depuis leur rencontre, on suit parallèlement l'histoire de Tate et Miles, puisque entre eux, il y a un petit... parce qu'en petite attirance, qui est là depuis les premiers jours, mais il y a encore cette Rachel dans sa tête, mais il y a toujours, on dirait... je sais pas comment dire... Rachel dans l'air. En fait, Miles ne se souvient pas du tout qu'il a appelé Tate Rachel. Et donc, Tate n'a aucune idée de qui est Rachel, mais sait qu'il est dans une situation plutôt délicate parce qu'il n'arrêtait pas de s'excuser. Enfin bref, du coup, d'un côté, on a Tate qui commence à développer une attirance pour Miles. Miles, dont il sait qu'il a mille choses en tête, dont Rachel. Et dans les chapitres parallèles, on suit l'évolution de la relation entre Rachel et Miles. J'espère que c'est clair. Pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est la première fois que je lis un livre qui suit deux relations. J'ai l'habitude d'avoir des chapitres flashback, mais c'est souvent dans leur passé, leur souffrance ou je sais pas quoi, leur enfance. Mais c'est super bien amené. Et je suis très surprise de préférer... la partie avec Rachel,
la partie avec Rachel qui est beaucoup moins développée. C'est vraiment des courts chapitres 6 ans en arrière. C'est très très original parce que, déjà un truc tout bête, mais dans les chapitres flashback 6 ans avant dans la relation, avec la relation de Rachel, le texte n'est pas justifié comme dans un livre normal, il est centré. Et l'écriture, elle est beaucoup plus poétique. Et quand je lis un livre, j'adore m'imaginer le plus précisément dans ma tête le visage des personnages. Et je sais pas ce qui se passe avec ce livre, mais j'ai exactement le visage en tête. Si j'arrive à insérer dans l'écran, je suis pas sûre de faire ça au montage, je vais essayer. Je vous mettrai les personnages que j'ai en tête. Pour les deux filles, je sais exactement quelle célébrité, on va dire, je visualise. Mais pour le garçon, y a personne, c'est mon imagination. Je vous en dis pas plus maintenant parce que je n'ai pas lu grand chose d'autre et que je voulais juste mettre les bases. Mais en tout cas, on se suit dans toute cette lecture qui paraît très prometteuse. Surtout Miles, mais en réalité les deux ont un passé assez mystérieux. Disons qu'on sait pas tout, mais on sait qu'ils sont torturés par leur passé. On n'en sait pas grand chose et on apprend petit à petit leur passé, donc c'est quelque chose que j'adore. Et surtout, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que j'adore quand il y a des petits SMS, des petites lettres et tout, et dedans il y en a. Je vous laisse et je continue ma lecture. J'étais en train de lire et je trouve qu'il y a énormément de similitudes entre les deux histoires parallèles, donc entre Miles et Rachel et Miles et Tate. Je sais pas comment ça va être justifié ni où ça va aller, mais en tout cas, voilà, je voulais vous le partager. Et autre chose, la relation entre Miles et Tate avance très vite. Enfin là, on a eu un gros point de vue sur eux deux. Alors, ils sont pas du tout ensemble, non, ils sont loin de l'être. Mais voilà. Mais j'aime bien, ça se lit tout seul, c'est super addictif. Et c'est ce que j'aime. Du coup, je passe un très bon moment et j'y retourne. D'avoir un plot twist énorme. Oh my god, je peux rien vous dire parce que là ça va tout spoiler. Désolée pour cet angle, mais bon, c'est le soir. Je m'y attendais pas du tout. Là, je suis à la page 168 et je trouvais que l'histoire elle est belle et je passe un bon moment et tout. Et je trouvais qu'il y avait rien de, pas de palpitant, mais de truc qui se démarquait vraiment. Et là, c'était vraiment inattendu. Donc, yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. In the air, and a sparkly shimmer on our skin. We're so
building castles out of sand. Bon, pour être honnête, ça fait plusieurs semaines que j'ai terminé le livre, mais avec les partiels et tout, j'ai rien pu filmer. Du coup, me voilà aujourd'hui pour vous donner mon avis final sur le livre de Colleen Hoover. Vous avez dû le voir dans la vidéo 25 000 fois, donc pas besoin de le remontrer. Vous avez dû voir dans les images précédentes, j'ai terminé le livre dans le train. Ce livre est très très addictif, donc franchement je crois que j'ai lu 200 pages d'une traite à la fin. C'était très bien, surtout la dernière partie. Alors on va faire ça dans l'ordre. Voici mon avis final. Au début je comprenais pas forcément la hype autour de ce livre, ce qu'on peut voir sur BookTok ou sur Instagram. Je crois que c'était un peu trop, comment dire, tout beau tout rose ou facile, mais je crois que je l'avais dit, c'est la 168e page, un truc du genre. Il y a eu déjà un premier plot twist, je m'y attendais pas du tout, et c'est un peu là où la dynamique a commencé, où on se posait beaucoup plus de questions, où c'était plus mystérieux, une partie que j'adore. Et oui, et cette dynamique là elle a lancé vraiment le fait que le livre était hyper addictif, et tout le long du livre en fait on se posait la question de qu'est-ce qui arrivait à Miles pour qu'il refuse d'aimer quelqu'un. Donc tout est là. Ce que j'ai adoré, c'est que de 1, comme j'ai dit 25 000 fois, c'est addictif. De 2, c'est mystérieux. De 3, ils ont une vie torturée. En tout cas, Miles, parce que Tate, moins. Il faut pas que j'oublie, hein, déjà. Et forcément, je vais pas vous dire le dénouement, mais quatrièmement, j'ai adoré le plot twist de fin et la révélation. C'était vraiment, vraiment bien écrit, bien trouvé. Et juste dans le train, j'étais dans ma bulle. Franchement, c'est un bon livre. Si vous voulez commencer la romance, je crois que ça peut vous plaire. Parce qu'il y a vraiment cette dimension de qu'est-ce qui s'est passé, ou le pourquoi du comment. Enfin, c'est très entraînant. Il y a des chapitres flashback, du coup c'est beaucoup plus dynamique, facile à lire. Donc voilà. Pour mon avis final, je le recommande bien sûr. En plus du Colleen Hoover, on adore. À mes souhaits. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai adoré la tournée. Je crois que si ça vous plaît, mais en tout cas, moi, ça m'a plu, donc je vais en refaire. Et en plus, avec un bon livre, que demande le peuple? On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, alors.